Ok les potes, bienvenue pour la petite boutique du 25 mars. Donc toujours disponible la nouvelle danse sortie hier. Du coup, bon la musique est pas trop mon truc. Mais là-dedans j'aime bien, j'ai fini de me dire bon. Après j'aurais pu mettre une autre musique. Mais bon, c'est pas, ça va, y a pire. Après vous avez la petite pastule du coup qui va avec un burger il me semble. Moi bon, je crois qu'on m'avait offert la pioche. C'est pas moi qui me suis acheté les gars. Vous me connaissez. Jamais j'aurais acheté un truc en rapport au burger. Après on a le petit skin Rabibosh. De retour également. Alors en mode Lego elle est plutôt sympathique d'ailleurs. Du coup mode Lego. On a également la double pioche. Le petit skin dribbleuse. Voilà. La balcasteuse. Ah c'est voici, il y a le gar... L'autre fois il y avait le garçon avec les deux trucs. Là maintenant c'est la fille avec du coup les deux trucs. Donc oh, ok Fortnite hein. Donc vous avez l'ensemble du coup pour le. Ceux qui veulent. Vous avez également toujours la danse, moi et toi. Alors la dernière fois, il avait mis cette danse la première fois. Il l'avait enlevée hyper vite. Là maintenant, il le laisse 5 jours. C'est tout ou rien avec Fortnite, hein. Il faut pas chercher à comprendre des fois. La danse du coup, box. Enfin, plutôt une emote qu'une danse. Bon, la petite box. On a également le gros dodo. Voilà, ça. Pour ceux qui veulent un petit skin. Pour dormir, on peut dire. Avec du coup tout son ensemble, pioche, sac à dos, etc. Un heure qui du coup. Un lit. L'étoile et son petit revêtement qui du coup avait également des étoiles. Ensuite on a également tous des skins du coup donc bah moi je l'appelle la chasseuse de lama mais vous pouvez l'appeler par son nom c'est comme vous voulez. En mode Lego en vrai elle est plutôt sympathique. J'avais déjà joué en mode Lego ce skin là et également ce skin là. Bon en Lego ils ont pu ça ont pu le faire mieux on dirait un cambrioleur. Il ressemble pas au skin les gars. Desperado il est mieux en skin normal hein. Même si j'ai pas c'est pas trop mon style de skin de base mais je trouve. Même le skin Kobe Rocket il est quand même bien. Bon, il en met un peu trop rose en mode Lego. Mais ça passe. Ça va, il est assez ressemblant. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça rose alors que c'est pas du tout rose en version normale. Mais c'est un détail. Également son planeur. Qui est plus cher que le skin d'ailleurs. Ensuite, toujours disponible du coup le burger restaurant. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont mettre le team tomate restaurant. Je le prendrai bien entendu. Toujours disponible Lady Gaga encore pendant un mois. Je rappelle juste au 24 avril, normalement elle part de la boutique vers cette période-là, normalement. Tous les pistes musicales, bon c'est les mêmes, nous connaissons, on va pas regarder une par une. Ah, enfin disponible du coup, il y a quelques jours, vous avez dit qu'il allait revenir ce petit pack. Donc le pack là, du coup, le petit Bananus Maximus en mode romain. Alors le pack il coûte pour moi 100 V-Bucks, puisque j'ai déjà le skin. Et j'ai l'une des pioches qui a aucun rapport avec le skin. Alors cet ensemble-là est particulier parce que aucun truc voit aucun truc. La banane romaine avec du coup les ailes qui est du coup avec les ailes corbeau. Ils ont mis la pioche du coup d'un skin de Ninja Halloween. Ils ont mis un sac à dos qui était à la base. Ils sont censés être rares et exclusifs. Ils l'ont mis en boutique. Et Fortnite, si vous êtes des rares les gars. Ce sac à dos là, je me rappelle, il devait sortir avec un code. Vous savez, comme par exemple la pioche que je joue tout le temps. Hein, le code il devait être disponible pour très peu de joueurs dans le monde. Ils l'ont mis en boutique là, le burger doré. Elle, tous les gens qui l'ont eu avec un code qui devait acheter un truc précis, vous avez fait douiller les gars. Eh, je vous l'ai dit, les burgers c'est pas les ouf, hein. Les tomates c'est le mieux, c'est tout. Également la petite revêtement qui d'ailleurs était pas. Attendez, le revêtement là, il était pas rare celui-là. Il était pas censé sortir avec d'autres revêtements. C'est la première fois qu'il sort tout ça dans la boutique. Ah, attendez une seconde. Je suis sûr que ce revêtement là était avec deux autres dans un pack. Il faut que je regarde ça, mais je suis sûr que j'ai raison. Le revêtement qui est là, les gars, celui-ci, normalement, il devait avoir deux revêtements avec lui dans un pack. Et là, c'est lui tout seul, il coûte 600 V-Bucks. Et c'est une douille, Fortnite. Hein. Vous êtes fort, forcément. Vous faites sortir un truc à la base qui devait avoir deux autres vêtements avec, vous le sortez tout seul. Non, mais ils sont forts. Non, mais. Fortnite, là. Je sais pas quoi penser. Du coup, tout rapport. Bah, toujours disponible, les deux skins de rapport avec, du coup. Lanterne d'ailleurs, j'ai toujours pas fini les défis de la fête des lanternes, il faudrait que je les fasse moi d'ailleurs. Un jour, faudrait que j'y pense. Il pensera un jour. Toujours disponible les voitures, les roues, etc. Ça, j'en ai bon. Le skin poulet, avec la petite danse frappe Peter. Ok, le plat de Fortnite. D'ailleurs, le mois prochain, d'ailleurs, ce sera un skin masculin, apparemment. Donc, j'ai hâte de voir. Et sur ce, bah les gars, dites-moi ce que vous pensez de la boutique. En vrai, elle est plutôt pas mal. Dans l'ensemble, après les trucs étaient déjà là, mais ça va, hein, la boutique est pas trop mal, elle est plutôt simple, mais ça va.
En moins. Il y a des trucs qui sont déjà allés hier, mais bon, tout ce qui est rapport à lanterne, généralement, ils vont rester quelques jours. Juste à. Du coup, c'est quand? Le 14, non? Je sais plus c'est quand qu'ils ont fini le truc de lanterne. Je sais plus, il y a tellement de trucs qui sont à la suite, je sais même plus quelle date. Bref, ils vont rester pour un petit moment, jusqu'au début avril, normalement. Donc, vous avez encore le temps, les gars. Sur ce, n'oubliez pas le petit pouce bleu vous abonner, la petite cloche pour toutes les notices, live et des vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et ciao, ciao!